spectateurs. Cinq de pique célèbre le peintre et sculpteur Adel Sarir. Son abstraction vibrante puise à même l'essence orientale. Elle porte outre-Atlantique la bonne nouvelle de la vitalité artistique libanaise. Née en 1930 au Liban, Adel Sarir entame des études de médecine puis s'oriente vers les sciences politiques et la philosophie. Appelé à un autre destin, il s'inscrit finalement à l'Académie libanaise des Beaux-Arts. Il poursuit son parcours académique à l'Université américaine de Beyrouth. En 1959, il obtient une bourse pour étudier à l'École des Beaux-Arts de Munir. Ses débuts dévoilent des compositions figuratives. Le peintre voyage aux États-Unis en 1973. La presse, notamment le New York Times, salue l'expression picturale vers laquelle il évolue avec grâce. La touche orientale qu'il y ajoute fait sa griffe. Les éléments de décoration et les formes géométriques, comme la déconstruction de l'arabesque, consacrent la note méridionale. L'artiste innove sur certaines bases philosophiques chères à son cœur. Il travaille en profondeur la ligne, la courbe, la structure. Il rend moderne et allégorique des ornements classiques et mystiques. Adel Sarir produit aussi des nus et de nombreuses sculptures. Il enseigne à l'Université d'État Western Connecticut. Les pièces de l'artiste ont notamment été exposées aux Biennales de Paris et Sao Paulo. Ses œuvres sont exposées dans la collection permanente du quartier général de la Banque mondiale à Washington, dans les banques UBS au Liban, au musée sur Sock à Beyrouth, à l'Agence monétaire d'Arabie Saoudite et dans les aéroports de Beyrouth et Riyad. De Pique vous présente une huile sur bois sans titre exécutée par Adel Sarir en 1960. L'œuvre appartient à la collection privée K. La réalité de la toile oscille entre une figuration poétique au premier plan et une abstraction géométrique au second plan. La jeune femme porte une cruche typiquement libanaise. Pulpeuse, dynamique, elle ondule dans une nature luxuriante qui se dévoile à ses pieds. Les courbes de sa robe, sa posture balancée, un bras sensuellement levé vers le ciel, puisent dans une expression créative millénaire, toujours parlante. Ici, le mystique incarne l'esquisse de la danse orientale. Les éléments de décor au second plan se font orientaux et abstraits. Le geste se base sur la tradition et l'histoire au moyen de courbes et d'arabesques. Celles-ci constituent des bifurcations permanentes, sans centre apparent, début ni fin. Avec elle, le champ pictural se pose comme un schéma géométrique limité par le seul cadre de la toile. Ainsi, porté par une recherche, l'héritage patrimonial assimilé devient présent, exploré, déconstruit. Les symboles traditionnels sont travaillés et brisés jusqu'à leur intégration dans l'univers occidental. Par l'intelligence et la compréhension de notre patrimoine, Adel Sarir a su abolir harmonieusement les frontières. Avec lui, la peinture d'ornement connaît un prolongement dans une abstraction qui ne laisse personne insensible. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de Pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art qui donne conscience aux hommes de leur grandeur.